C3, roi G5 aussi, très bon coup. Cavalier G4, fou prend E4. Cavalier prend E5. Et roi F4 avec gain. Gain passé, évidemment. Alors dans cet exemple, il s'agissait d'un pion isolé qui ne se trouvait pas sur une colonne ouverte. Il y avait un pion devant lui. Dès lors, il n'était pas possible de l'attaquer de front avec des pièces lourdes. Cet exemple a été choisi de manière intentionnelle en premier, bien qu'il ne soit pas tout à fait typique. Dans beaucoup de livres, on entend par pion isolé presque exclusivement le pion sur une colonne ouverte. Bien que, à strictement parler, c'est faux. Voilà, et nous verrons le cas d'un pion sur une colonne ouverte dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.